Gauche à fond, long, pas corde. Et droite 5, et 3 sous pont, et droite à fond. Et attention, gros frein gauche 2, tenir, long, 30 mètres, attention. Gros frein pour épingle droite au croisement, 40 mètres. Droite 3, corde, et gauche 5, long, 40 mètres. Gauche 3 ferme, dans droite 5 ferme sur bosse, 40 mètres. Gauche 3 et droite demi-long, tenir, 50 mètres sur bosse. Gauche 2 court, pas corde, bossé, 50 mètres sur ciel. Droite 3 haut, demi-long, pas corde. Dans gauche 4 ferme, très long sur ciel. Gauche 5 court, dans droite 5 ouvre, pas corde, 100 mètres. Gauche à fond sur ciel et gauche 5 pour gauche 3. Dans droite 3, haut, 30 mètres. Droite 3, pas corde, 30 mètres. Gauche 5 sur ciel, 30 mètres. Et ciel, dans gauche 3, ouvre, 30 mètres. Droite 5, bosselé, long. Et gauche 5, 60 mètres. Gauche 1, très long, tenir. Et droite 4, mi-long, ferme, 30 mètres. Gauche 4, court, pas corde. Et droite 4, ferme, dans droite 4, court. Et gauche à fond, bosselé, dans ciel, 50 mètres. Droite 3, 40 mètres. Frein pour écart gauche, petite corde, ouvre. Et droite 5, 50 mètres. Attention, bosselé. Gauche 4, ferme en 3, court, 30 mètres. Ciel et droite 4, court, 50 mètres. Attention, frein pour écart droite, pas corde, 300 mètres. Dans gauche 5 mi-long, ouvre, 70 mètres. Droite 5 court, 40 mètres. Gauche 5 court, dans droite 5 pas corde, et gauche 4 bosselé sur ciel. Et gauche 4 court, 30 mètres. Droite 5, 50 mètres sur ciel. Dans attention, droite 3 ferme pas corde, et gauche 4, dans droite 4 ferme en 2, petite corde. Dans gauche 1, ouvre, long, bosselé sur ciel, 20 mètres. Et droite 4, dans arrivée. On va y aller maintenant avec cette deuxième journée ici avec 3.44 km et 5.40 km à faire. Dans cette course, il n'y aura pas les réparations, tout va bien. Et c'est parti, on y va avec ça. Une petite course spéciale ici à faire, 72% asphalte et 38% en terre. 3.34 km et 46 mètres de dénivelé. C'est comme une genre de petite course ici, comme on peut dire. Pour l'instant, c'est quand même plaisant. Je sais pas si j'ai fait ça, c'était quand même plaisant à faire malgré tout.
Bien non, avant qu'on y arrive. Le repos est très long. Là, on arrive maintenant sur le dernier. C'est l'avant-dernière course à faire. Attention, droite 3 ferme, nous ici. Et bon sang, malgré tout ce squad-là ici. On se barre en dessous ici. En dessous ici. Gauche, on va plus par là. Un peu mal dans le coin ici. Attention, vous avez la vitesse. Il s'y un petit peu ici, mais on se récupère tout de suite. Droite 3, on va par là. Et droite 5, fermons 4 et 3. Dans droite 4, fermons 3. C'est celui-ci qui se prend quand même bien. Mais ça ici se déroule assez bien parce que quand même. Bien sûr ici. On porte tout de même sans problème ici. Le recul qui est beaucoup plus rapide que moi quand même, comme vous voyez là. Il croit pas être le meilleur aujourd'hui, mais il faut voir. Dans droite 4 ferme, 1. Pas ici. Dans gauche 3, long, pas corps, sous pont. Accélère, par ici, tout gauche 4, remontée sur gravier s'élargit, 50 mètres. Accélère, par ici, pour essayer de fermer un petit peu. Gauche 3, 100 mètres. Baisse beaucoup ici quand même. Attention, au feu, pour être pas ici. Accélère, pas corps, et 3 sur tarmac, 80 mètres. Coin ici, mais tout va bien. Le gars est toujours resté en avance là, sur le moine. On va essayer de récupérer notre avance ici un petit peu. On est parti par ici. Ils ont parlé toujours quand même. On se pousse la terre ici. Et on repart par ici sans perdre de temps. Droite 4, gros frein pour épingle de droite serrée, pas corde, et 3, 50 mètres pour arriver. Oh, le véhicule est toujours assez en avant, mais je crois pas. Je ne sais pas, je vais être premier là-dedans. 2044, cette course ici. Je suis pourtant premier, c'est juste ça donne comme ça. Et on continue avec la dernière course maintenant. Qu'il nous reste à faire ici, 5.40 km. 240, 768 mètres de dénivelé et 100% terre. Bon, ça ne va pas être bien long, mais qu'on revienne avec ça, là. Avec la suite, comme on dit. On a plus de chargement ici, qui ne devrait pas être très long. La piste, ça va être quand même trop compliqué. C'est Viana do Castelo, la petite course aujourd'hui. La spéciale, comme on pourrait dire, 100% terre aujourd'hui. Pour du test 100% terre, mais là, ça l'est aussi. Et c'est parti! Et voilà! C'est parti maintenant dans cette course! Et droite 5, et droite sous pont, et droite à fond! Faire attention par ici cette fois! Au frein gauche 2, tenir, long, 30 mètres, attention! Il est parti! Bien fait dire attention, parce que j'allais un petit peu rapidement, un petit peu trop! C'est quand même un petit épingle ici qui se prend quand même bien! C'est quand même bien fait. Excellent par ici. Cet accident ici, on va se récupérer tout de suite si on veut. Et oui, on peut se récupérer tout de suite sans tomber là. Mais tout de suite sur le circuit. Allez, on va ici. Les petits deux ici, nous allons faire attention. Voilà, on va parler maintenant. Gauche 2, cours, pas corde, poste-les 50 mètres sur ciel. Il va à fond vers ici. Droite 3, ouvre, mi-long, pas corde.
Si on monte cette barre aussi, mais trop bien. Un virage ici quand même. T'as juste un petit bout de la course de 10 km de tout à l'heure. Gauche 5 cours, dans droite 5, 100 mètres. Ici. Gauche à fond, sur ciel, et gauche 5 pour gauche 3. Attention ici, oh, petite montée sur le bord ici, mais tu vois bien. Dans droite 3, haut, 30 mètres. Ils sont par là. Droite 3, d'accord, 30 mètres. Attention ici. Gauche 5 sur ciel, 30 mètres. Et ciel, dans gauche 3, 30 mètres. Prends le bord ici, mais tu vois bien quand même. Et gauche 5, 60 mètres. Par ici. Gauche 1, très long, tenir. Mais ça se assez bien ici, virage ici aussi. Et droite 4, mi-long, ferme, 30 mètres. Un virage ici que je prends. Gauche 4, mon dernier virage que j'ai bien pris. Et droite 4, remonte encore aussi, j'ai encore aussi à remonter. C'est ce que je vais faire, moi, c'est pas tout de suite. C'est par là. Droite 3, 40 mètres. On a aussi un petit droit, un petit gauche équerre ici. On va essayer de prendre comme il faut. On descend vers ici, tu vois bien encore. Et voilà, on tourne vers ici sans perdre de temps. Ciel et droite 4 cours, 50 mètres. On va ici. Attention, frein pour droite, pas droite ici, donc attention. On va pas dedans à la tournée, donc il va rappeler par ici. Train dans gauche 5 mi-long, 70 mètres. Et ça part là aussi. Dans le tour, comme on dit. On tire un petit peu ici, parce que là on va un petit peu tout rapidement. Gauche 5 cours, dans droite 5, pas corde, et gauche 5 quelques mètres à faire. Et gauche 4 cours, 30 mètres. On est presque arrivé à la fin de ce rallye et de cette spéciale aussi. On y arrive, on y arrive. Un petit peu glissé ici, on va ralentir un petit peu. Virage serré ici jusqu'au coin ici. Attention par là. On va ralentir par ici maintenant. Et on est arrivé. 3 minutes 46, 959 pour cette course. Ah, c'est très bien déroulé. Oh, un beau petit temps quand même, 10 minutes ici. Et on remporte ce rallye. Vainqueur au Portugal, notre succès aujourd'hui. La montée au podium au Vodafone Rallye de Portugal dans le mois de carrière. Skoda ici de Jan Kopecky qui a été deuxième aujourd'hui. Et on passe maintenant, on va compléter aujourd'hui l'épisode. On est rendu dans 100 000 $. De la voiture, on va devoir faire quelque chose pour la réparer. On va faire une petite maintenance. Aujourd'hui, si on peut, on va essayer de voir si on a une. On peut faire. On a un rallye dans l'autre semaine. Normalement, on devrait pouvoir choisir une maintenance cette semaine. On devrait pouvoir le faire sans problème. On a un petit repos à la suite. Ensuite, on a un autre truc qu'on va choisir. Ensuite, un autre truc. Faire un repos, une maintenance et une pratique ou quelque chose comme ça. Peu importe ce qu'on va avoir dans le prochain épisode. Pas dans le prochain épisode, mais dans la prochaine. Dans la semaine. Comme encore dans la semaine dès le dernier épisode de l'épisode 7, mais on va compliquer la semaine dès l'épisode 9. C'est dans l'épisode 8, c'est compliqué à dire, à comprendre. C'est simple en fait. Bon, R&D ici. On a 3, je vais m'en vendre quelques-uns. Augmenter la taille de la réserve ici. Ça ici, et ça ici, et voilà, on dit 13-13 dans les deux côtés, et messagerie, ça ici, on va payer ça, 15 000 $, objectif ici, n'est pas descendu sur 45 000 durant 4 semaines, ça devrait bien se faire j'imagine. Bon, on va aller voir notre calendrier ici, on choisit un événement ici. Une petite condition extrême, je crois. On commence par notre repos ici. On va le faire tout de suite. Et voilà, on prend une journée de repos.
J'ai pas de maintenance cette semaine. On va faire un petit essai constructeur ici. On se porte que notre condition extrême juste ici, on va commencer tout de suite. 100% asphalte, on a 9,72 km à faire. Je ne crois pas qu'on les fasse au complet, je me souviens pas. Ben je crois que oui, il faut battre le canot dans une voiture imposée. Ça devrait se faire, ça devrait bien se dérouler. Cette course, c'est comme le rallye d'Allemagne, le rallye de Catalogne. Ici, la diffusion des différentes épreuves. Il fait partie du calendrier WRC depuis 1991. C'est une information plaisante à savoir quand même. Ça va pas être bien long pour cet épisode. On va qu'on revienne. Et on lance cette course ici. On va utiliser cette caméra pour ce truc ici, parce que c'est vraiment pas évident. 3-4, coupe, et gauche 6. Les freins sont très aujourd'hui. Et droite 4, 50 mètres. Passons par là. On est passé par ici. Passons par là aussi. Attention, droite 5, courbe sur ciel, 40 mètres. Gauche à fond, long. On va y aller par ici sans perdre de temps. Attention, droite 4, tenir dans gauche 3. Un petit dérapage ici que j'ai perdu un peu de contrôle. Et attention, droite 4, ferme dans ouais, gauche tout de suite maintenant, je vais voir un petit accident ici. Gauche à fond dans droite 4, cours, cours, long. Je crois qu'il y a quelque chose de mal, mais elle est quand même un peu dure. Moi, ça n'a pas freiné du tout, là. On fait un petit peu ici, le devant, là. J'ai voulu faire un petit accident ici, là. C'est pas possible, cette course, là. Attention, par ici, toujours. Ce qui arrive, il reste seulement 30 secondes, on devrait être capable d'ici de se rendre. On va être tout de suite ici. On va avoir le temps de se rendre quand même. Possible en tout cas. Un petit écart ici qu'on a pu bien prendre en fait. On arrive, on arrive, on arrive, on arrive. Et on arrive. C'était très serré, mais on a réussi sans problème. À 8 000 $ ici. Peut-être la voiture qui est vraiment très basse là. Faudrait faire une maintenance, mais on n'en a pas pour l'instant. J'aurais dû le faire la dernière fois qu'on avait eu une affaire. A été une bonne idée, mais j'en ai pas, donc on va voir ce que ça peut donner quand même, là. On va revenir sur le menu. Ça va pas être très long. Bon, le chargement ne devrait pas être très long, donc on revient sur saut, indique que la note précédente se fait sur un saut. C'est quand même assez évident, quand même. Ça veut dire revenir, ça doit pas être très long. Bon, on revient, ça ne va pas être. Je veux que ce soit pas long en fait, c'est pour ça que j'ai dit ça. Bon, je vais m'en faire pour réparer notre voiture sans faire de ma... à part la maintenance. Regardez ce qu'on peut faire ici. C'est le véhicule qu'il faudrait réparer, mais je ne sais pas comment faire. À part aller dans le truc. On n'a pas de truc à faire pour réparer notre véhicule. Bon, on devrait s'en sortir quand même là. On démarre l'événement ici, on a un événement pour aujourd'hui. 14,8 km, mais ça devrait se faire. Il faut aller le plus loin possible avant le temps est parti. On a bougé toute l'affaire. 68% asphalte et 32% terre. Non, cette course, la terre rouge quand même, c'est elle, Montmel. Je ne sais pas sur quel circuit. C'est spécial mix, les plots doivent adapter les réglages terre-asphalte. Les parties sur asphalte sont donc plus glissantes qu'à la normale. C'est quand même important à savoir aussi, quand même plaisant à savoir. On n'aura pas 14,1 km et 519 mètres de dénivelé. L'information, même si on n'aurait pas forcément besoin de tout ça, là, ça ne sera pas bien long. Et on démarre ça tout de suite.
change de vue maintenant, reviens à ma vue habituelle. Et c'est parti! Et bien, c'est 20 ici quand même, j'aime bien ce véhicule. Ça ressemble à ce qu'on a, mais un petit peu différent. En plus, on double BRC plus long, un petit peu. Parce qu'elle peut très rapidement. Bon, je sais pas ce qui s'est passé ici en fait. Je vais pas trop vous dire. Attention, fin droite 4, maison intérieure et gauche 4. Et gauche 4. Par là, c'est une catégorie plus haute un petit peu. Et droite 4, donc gauche, à fond, ferme en 4. Par ici. Passons par là. En droite 4, posté 80 mètres. C'est pas si toujours quand même. Gauche 4 et droite 4, court. On lance un petit peu par ici. Donc gauche 3 frein et droite 4 surpassement 30 mètres et gauche 3 bosselet. Oh, un gros accident ici qui était pas prévu en fait. Ça va réapparaître un petit peu si c'était pas prévu cela. Je croyais pas que ça allait se passer comme ça. Et droite 4. Il totalement devant de la voiture. Le devant n'est plus là du tout. Donc gauche à fond sur tarmac, droite 5 long. Ça allait se frapper comme ça, je pensais qu'il allait bien m'en sortir. Et non, tout le fracassé de devant. Gauche 5, droite 3, gauche, gauche à fond. Bon, l'espèce de difficulté que vous voyez. Un petit peu rapide, je suis pas habitué à celui-là. On va rentrer un petit peu ici toujours quand même. Bon, je fais attention. Et droite 3, 80 mètres. Ça n'arrive pas ici. Gauche 4, gauche, droite 3, gauche. Et voilà ce qui termine cette épreuve. Quand 73% c'est pas le mieux, mais c'est pas le pire non plus. Même réputation qui monte malgré tout quand même. Morale est descendu un petit peu, c'est ça le petit problème pour cette fois. Bon, je crois que ça va être le dernier truc qu'on va faire aujourd'hui pour cet épisode. C'est peu les dégâts de la voiture que j'aurais mis réparer, mais j'ai pas eu de maintenance à part. Dans le dernier épisode, il y en a eu un, mais je trouvais pas que ça nécessaire, donc j'aurais dû le faire quand même. À chaque fois qu'il y a une maintenance, je devrais en faire une en fait. Ce serait important de le faire. Ou bien, on avait de revenir au menu. On va se quitter pour cet épisode. On est presque arrivé, ça ne devrait pas être très long. Sur terrain glissant, le port des virages se prend en dérapage. Il faut donc anticiper les courbes pour arriver avec la voiture de gens en travers. Bon. Le dossier du gris est disponible, on va le regarder. Ok. Bon, je voudrais bien réparer le véhicule, mais je ne peux pas le faire. Je vais attendre pour le prochain épisode. Il doit y avoir quelque chose ici. Et non, il n'y a pas de maintenance non plus. Non. On va devoir en faire une, là, ce serait important. Là. On va aller voir les réglages ici. Est-ce quelque chose qu'on peut faire? Et non, donc, merci à tous de regarder cet épisode. J'espère que vous l'avez apprécié. Je vous dis donc salut et à la prochaine. Salut tout le monde! We'll be right back.